Vous savez, on parle beaucoup de la fraude des grands-parents. Et on a un cas où on a réussi à attraper quelqu'un grâce à une de ses victimes. Alors, on est en 2022, au printemps, et des fraudeurs appellent une dame de Baie-Saint-Paul en lui disant que son petit-fils a des problèmes puis qu'il faut payer une caution rapidement de 5 000 $. La femme de 76 ans, donc, est allée retirer l'argent de son institution financière, la donne à un chauffeur qui vient le chercher. Et là, elle a perdu son argent. Mais elle a quand même permis l'arrestation d'un ambulancier à la W qui venait chez elle collecter cet argent-là. Puis elle va nous raconter son histoire elle-même. Ça, c'est celui qui a été arrêté. Louise Desrosiers, donc, qui est cette victime de fraude de type grand-parent qu'on retrouve. Madame Desrosiers, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, vous allez nous raconter un peu qu'est-ce qui vous est arrivé. Vous êtes arrivé, ce qu'on appelle la faute des grands-parents, c'est comme je disais tantôt, quelqu'un appelle, on appelle une personne, on dit... Là, on vous disait, par exemple, dans votre cas, vous, que votre petit-fils avait des problèmes, il fallait payer 5 000 $. Comment ça se passe au téléphone quand il vous appelle? C'est très simple, hein? Je veux dire, c'est comme... il y a deux personnes, donc une première personne qui parle et qui ressemble à la voix de mon petit-fils. J'étais avec mon fils à moi, ainsi que ma petite-fille. On a reconnu sa voix, un peu en panique, avec un accident qui serait arrivé, qui serait survenu, et que la personne qui était dans l'autre automobile était transportée d'urgence à l'hôpital. C'est une personne qui est enceinte, etc. Donc, qui était en crainte, qui était en panique. Et en même temps, ben, il nous disait, là, il dit, je suis emmenée au poste de police, puis là, présentement, mon téléphone a été brisé, fait que je t'appelle sur le téléphone de l'avocat. Et de là, il me prête l'avocat. Qui, lui, m'explique que pour pouvoir sortir mon petit-fils, et ça va me prendre caution, le caution est de 5 000 $, donc vous savez le reste pour cette première partie. La deuxième partie, je l'ai fait, j'ai versé l'argent, en fait. Et le lendemain, ils m'ont rappelé pour me demander une autre caution. Et là, j'ai dit non, ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens. Ça. Alors, j'appelle mon fils, on en parle, et là, je décide, moi, d'appeler mon petit-fils sur Internet parce que, supposément, que son téléphone était brisé lors de l'accident. Alors, par Internet, je le rejoins et il me dit non, grand-maman, c'est pas vrai, ça, c'est une fraude. Appelle la police. C'est ce que j'ai fait. Alors, comme le type m'avait dit qu'il me rappellerait pour me dire la personne viendrait chercher le deuxième montant. Moi, j'ai joué le jeu avec les policiers. Je leur ai demandé de venir, d'intercepter la personne. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà, j'ai eu 2-3 appels. Ça a retardé parce que supposément que ça devait venir de Québec. Alors, c'était comme le... C'était un petit peu plus compliqué, plus long avant que la personne ils ont réussi, donc, montant, etc. Donc, le gars est venu, les policiers l'attendaient, les policiers l'arrêtent. Les policiers m'ont arrêté sur le perron chez moi, là, oui. Oui, mais il n'y avait pas l'avocat, en guillemets, avec lui, là. Pardon? Il n'y avait pas celui qui se faisait passer pour l'avocat dans l'affaire. Non, ça, c'est juste la mule, là. C'est juste la personne, là, qui... en tout cas, c'est ce que le policier me disait. En fait, le policier qui a remis l'enveloppe, vous avez entendu qu'il y a l'enveloppe en main, et il est rentré dans la maison, ils ont procédé à l'arrestation. Après, le policier est venu me voir, il dit « Mon doux », il dit « Je connais cette personne-là », il dit « C'est un ambulancier », je ne pensais pas qu'il menait une W, tu sais. Alors, bon, OK, c'est ça. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et la personne qui était à l'origine, pour qui l'autre transportait, est-ce que les policiers l'ont arrêté ou pas? Non, ça c'est des personnes qui font tout ça par téléphone. De quelle façon est-ce qu'ils procèdent pour aller recruter les gens qui vont servir de mules, je dirais, là, pour amener les enveloppes, etc. Ça, j'ai aucune idée de comment ils procèdent, mais c'est un réseau très bien organisé parce que à peu près, je dirais, 6 mois plus tard, j'ai eu un autre appel du même genre avec presque les mêmes affaires et le même scénario. Et lorsque j'ai joué le jeu encore une fois, j'ai dit, bon, ben rappelez-moi, je suis inquiète, etc. Et là, j'ai appelé les policiers et les policiers m'ont dit, on est au courant de celle-là. Ils disent, ça, là, on est au courant. Ils sont en train d'agir aussi à Trois-Rivières. En tout cas, il y avait un autre endroit aussi qui était déjà en train de procéder à faire la fraude. Et là, le policier m'a dit, quand il va vous rappeler, dites-leur tout simplement que vous savez que c'est une fraude, que les policiers sont au courant, vous allez voir, ils vont fermer la vigne assez rapidement. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais. Mais ce que ça montre, bravo d'ailleurs pour votre sang-froid dans tout ça, mais Mme Desrosiers, ce que ça montre aussi,
C'est, je veux dire, c'est que c'est facile. Tiens, les gens disent, ah, comment est-ce que les gens peuvent se faire avoir? C'est facile. C'est très facile. C'est très bien organisé. Ils ont vraiment de très bons arguments. Le fait d'avoir à sortir de l'argent comme tel, c'est comme assez spécial parce que moi, j'aurais offert de faire plutôt un chèque, probablement au ministère de la Justice ou quelque chose du genre. Il me semble que ça veut. Non, ils disent, on ne sait pas qui va percevoir l'argent. Puis la personne qui va aller le chercher, ça va être, on va avoir le nom de la personne qui va être le responsable de rentrer cet argent-là, là, etc. Alors, tout est vraiment bien cédulé, organisé, préparé. Ils ont des arguments pour tout. C'est incroyable, c'est ça. Moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la banque et la Caisse populaire pour les aviser de ce qui se passait et d'aviser s'il y avait des personnes âgées qui allaient sortir des gros montants d'argent, les aviser qu'il y avait présentant des fraudes et que si c'était pour leurs petits-enfants ou autres, de les contacter directement ou encore de contacter la police. Bien, vous aviez bien raison, Mme Desrosiers, puis on vous félicite pour votre vie. Quand même, d'y avoir pensé et d'avoir contribué à arrêter cette personne-là. Louise Desrosiers est donc victime de fraude de type grands-parents, mais qui a réussi à faire arrêter celui qui était à la mule des fraudeurs. Merci, Mme Desrosiers. Bonne journée. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.